ويس هذا دي تولين تيكو 5 كم ديال ديك الكيل تاك كنت ويس طار مطاطا ونوضال عندهم نسوي مذ ما ونقفلين مزيان سوماتا يتسيدين ذي فاغان تمورث لذا ديك التان وحيوث تمورث نوفل كاليدونيا كنزغام مزروين تموث نيقبالين الجزائر تمزغ سوماتا ثم هرسات فرانسيس يوث نتليس لذا ثلاث نير نتنكرا ثنكري وين تثلث المقارنية 1371 وقبل ونشتكي الطاس كي يقبليا جزائريا ثبوي كي مهرسات فرانسيس سوليثن خاطر لان سي دي فوتو توب لكن قرن ثالثنا سي دي بوندي سوليثن كي كي كني وتيلينا غادي تموتن سن يا كي مو عندك يا روحنا كنزغام فلسطين كايان وبالكاليدونيا نسلا تصل تصل مثلنا ميجا ذكر سكيل تان نحن سكيل اليوم بقبيلي مس مس نمس بون بقبيلي إجلان إلى ذينا ذي نوفا الكاليدونيا ذي كريستوف ساند كنيسوهم وذ مكان نوير يسم سلايم كي دسل إدلا ونشكي سنير مس كريستوف ساند زولف لك يا كريستوف Bonjour. جي دي Bonjour à vous. Voilà. Principalement, vous êtes arrière-fils d'un Kabyle qui a été déporté dans Nouvelle-Calédonie. Si je me souviens bien du nom Lounès Sirir de la région d'Azazga. Et je rappelle ceux qui nous regardent que Christophe Sand est de nos jours archéologue à Nouméa. Nouméa, comme vous le savez, la capitale grosso modo de la Nouvelle-Calédonie. Donc Christophe, ça serait bien si vous pouvez nous relater un peu votre qui est exactement Christophe Sand. Moi je suis l'arrière-petit-fils de Lounès Ben Mohamed Ousguir, qui a été transporté, c'était le terme juridique officiel, en Nouvelle-Calédonie en 1896. Il est arrivé ici le 15 février 1896 pour finalement, ce qui était considéré à l'époque comme des actions de bandits d'honneur, mais qui aujourd'hui, de toute évidence, serait considéré comme des actes de résistance de type politique au processus de colonisation qui était en cours sur le plateau de Grande Kabylie à la fin du XIXe siècle. Et donc, ce Lounès, puisque c'est le nom officiel que lui a donné l'administration française, s'est marié ici, a eu des enfants, dont ma grand-mère. Et donc, moi, je suis en ligne directe par ma grand-mère et ma maman de ce Lounès. Et j'ai donc une de mes racines qui est enfoncée très profondément là-haut sur le plateau Kabyle. Donc, vous avez fait des recherches et vous avez retracé à peu près d'où est-ce que vous êtes exactement venu. Si j'ai bien compris, de la région d'Azazga, ça serait bien de nous dire un peu comment vous êtes arrivé à ces conclusions. Alors, les recherches historiques réalisées en particulier par notre historien spécialiste du bagne qui s'appelle Louis-José Barmançon a permis de démontrer que il y avait 2106 condamnés originaires d'Afrique du Nord, autochtones, des sujets, comme on disait à l'époque, qui ont été envoyés principalement d'Algérie, plus de 90% d'entre eux viennent d'Algérie, jusqu'au bagne calédonien entre 1864, qui est l'ouverture du bagne. Dès l'ouverture du bagne, il y a déjà un Algérien. Et la fin du dernier convoi qui est 1897. Pendant très longtemps, ces bagnards, comme les bagnards français d'ailleurs qui sont venus ici, parce qu'il y a eu quasiment 30 000 bagnards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, les enfants et petits-enfants de ces bagnards n'ont pas voulu parler. C'était la honte. C'était quelque chose dont il ne fallait pas relater l'origine du père ou du grand-père. Et donc, on s'est construit dans un pays qui était un pays du non-dit. Et pour les Français, comme ils ne pouvaient pas cacher l'origine bagnarde, les Français, ici en Nouvelle-Calédonie, descendants de bagnards, ont tous dit qu'ils venaient
des condamnés politiques de la Commune de Paris. D'accord. Et pour les descendants d'Algériens qui avaient un nom qui ne pouvait pas être caché, Lounès, ce n'est pas français, hein? Ouais, c'est Kabyle, ouais, typiquement Kabyle, ouais. Voilà, Lounès ou Haïfa ou Boufnech ou Ouais. Belle Patronne, tout ça, c'est des noms qui ne sonnent pas français. Et donc, il fallait trouver une origine qui ne soit pas trop difficile à porter. Et donc, nos familles ont inventé un nom, une histoire, qui était qu'on était tous descendants de la grande révolte kabyle de 1871, de Mokrani. D'accord. Et moi, c'est l'histoire qui m'a été racontée quand j'étais petit garçon. D'accord. Et il a fallu que j'aie 25 ans pour qu'un jour je me rende compte, lors d'un déjeuner de famille, que c'était juste pas possible, que mon ancêtre Lounès, il n'était pas mort à 105 ans, qu'il n'avait pas eu les premiers enfants quand il était un vieillard, etc. Et que donc, nécessairement, l'histoire, elle était fausse. Et donc, je suis allé poser des questions à l'historien Louis-José Barmanson, qui m'a sorti une fiche sur cette fiche, il y avait marqué que, effectivement, mon ancêtre, il faisait partie de ce que les Français appelaient la bande à Areski, Areski el-Béchir. Parce que le Béchir est très connu, c'est un fameux Voilà, personnage. voilà. Qui, entre la fin des années 1880 et 1895, en fait, tient avec un groupe d'hommes qui monte jusqu'à 3000 personnes, hein, tient une partie du fond de la vallée de Tizi Ouzou, dans la zone d'Asfoun, d'Azazga, etc., des espaces de forêt de cette partie-là, de la grande ville, contre le processus progressif de spoliation foncière et d'accaparement des terres de destruction par les charbonniers d'une partie des forêts pour pouvoir produire du charbon, et que en fait on n'avait rien à voir avec El Mokrani. D'accord. Et donc, pour un peu reprendre un peu la date de déportation de votre arrière-grand-père. C'est le papa de ma grand-mère. Oui, c'était en 1600, c'était en 1896, vous avez dit, c'est ça? Il est condamné en 1895 Yes. et il arrive à Nouméa le 15 février 1896. Voilà, 1880. Donc, si bien. À peu près une vingtaine d'années, même au-delà, après la révolte de El Mokrani, c'est ça. C'est 25 ans après. Mais en fait, les déportations ont commencé, vous m'avez dit hors antenne, bien avant 1871, hein, 64, vous avez dit, c'est ça? Absolument, le premier bateau qui amène ici les premiers bagnards, sur ce bateau, il y a déjà un Algérien. D'accord, La d'accord. particularité de l'histoire de la transportation de droit commun en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'à partir de 1869, tous les Algériens sont dirigés vers Cayenne. D'accord. Et donc, durant cette période-là, à part quelques-uns et à part les condamnés qui sont des déportés politiques 126 de la révolte de Mokrani, qui arrive ici en 1873, à part eux, il y a très très peu de Nord-Africains qui sont envoyés pendant longtemps au bagne de Nouvelle-Calédonie parce qu'ils sont tous dirigés vers Cayenne. Le grand changement, c'est en 1889, parce que l'administration coloniale en Algérie est très inquiète par le nombre d'Algériens qui arrivent à s'enfuir de Cayenne et à revenir en Algérie. C'est un peu D'accord. l'histoire de Papillon que vous avez vu à la Exactement, j'ai télé. pensé à Papillon, justement. C'est ça, voilà. Et donc, D'autant, oui. comme il y a juste l'Atlantique à traverser, en fait, il y a des dizaines d'Algériens qui réussissent à s'enfuir et à revenir en Algérie. Et donc, pour
pour éviter cette situation, en fait, l'administration va prendre la décision en 1889 d'envoyer tous les condamnés d'Afrique du Nord, en particulier les Algériens, en Nouvelle-Calédonie, parce que comme ça sera tellement loin qu'ils ne reviendront jamais. Et donc, durant toute la dernière phase, les derniers transports, les derniers convois vers la Nouvelle-Calédonie, entre 1889 et 1897, là, pendant 8 ans, là, en fait, il y a certains convois où plus de la moitié des condamnés sur les bateaux, ce sont des gens qui ont été pris au port d'Alger après le départ du bateau de France. Donc on a le bateau part de France, s'arrête dans le port d'Alger, les condamnés sont sortis de la prison d'El Arach à Alger, sont emmenés sur le bateau et sont envoyés vers ce pays à l'autre bout du monde que les Algériens appelaient Calédoun. Caldoun. Caldoun, oui, Caldoun, Voilà, c'est effectivement, la oui. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle Voilà. Caldoun, oui. Moi, ma question, Christophe, c'est que est-ce que une grande partie de ce déporté qu'on a peut-être été transporté aussi, et je me demande c'est quoi la différence entre déporté et transporté. Enfin, c'est la même chose. Hein. Non, en fait, c'est les termes juridiques du D'accord. bagne De bas. français. Voilà, les déportés sont des déportés c'est des gens qui ont été condamnés pour des raisons politiques. Et donc, D'accord. Mokrani, il est déporté. D'accord. Mais les autres, de Les commun. condamnés de la Commune de Paris, ils sont déportés. D'accord. Les transportés, qui sont les plus nombreux, sont ceux qui ont été condamnés pour Droit commun. du droit commun. Et D'accord. il existait une troisième catégorie qui était la plus dure, qui s'appelait les relégués, qui étaient en fait les petits bandits, les voleurs d'orange et les voleurs de pain, les petits qui n'avaient pas fait des choses très très graves, qui n'avaient pas tué, qui n'avaient pas violé, qui n'avaient pas fait des vols extrêmement violents, mais qui étaient des multirécidivistes. Et donc la justice française avait inventé cette catégorie. Si vous étiez condamné plusieurs fois à des petits délits, tous vos petits délits étaient mis ensemble et vous étiez envoyé au bagne pour toujours. Donc, relégué, transporté et déporté. Donc, c'est bien de le savoir. Voilà. Et Parfait. pour vous donner une idée, sur les 2106 Nord-Africains qui ont été envoyés au bagne de Calédoun, plus de 1800 étaient des transportés, 126 étaient des déportés et les restes étaient des relégués. Et D'accord. ceux qui sont morts le plus pendant leur condamnation, ça a été les relégués, tellement leurs conditions de vie étaient extrêmement dures au bagne de Calédoun. J'imagine, oui. La plupart, j'imagine, votre arrière-grand-père, Lounès, était lui, peut-être n'était pas marié comme la plupart. Hein. Donc, ils étaient des célibataires ou est-ce ils sont partis avec leur famille pour ceux qui sont mariés? Alors, l'histoire de ma famille ici en Nouvelle-Calédonie dit qu'il est parti alors qu'il était marié. D'accord. L'histoire de ma famille en Algérie, côté algérien, mes cousins, mes oncles en Algérie, en Kabylie, m'ont dit qu'il n'y avait pas de souvenir familial qu'il ait laissé des enfants. Et donc, Il était juste marié, mais sans enfant, il c'est était ça. peut-être marié. En Algérie, il n'y avait pas le souvenir d'une femme, Ouais. mais il n'y a que le souvenir ici en Nouvelle-Calédonie dans la famille. Mais en tous les cas, il n'y avait pas d'enfant. Donc, quand il a Et atterri en donc, Nouvelle-Calédonie, c'est marié là-bas, j'imagine, avec une. en Nouvelle-Calédonie, en fait, il a fait 10 ans de bagne. Il a été condamné à mort. Sa condamnation à mort a été transformée en condamnation à 20 ans de bagne. D'accord. Donc, il a fait 10 ans de bagne enfermé dans les cachots, à travailler sur les routes, etc. Voilà.
Ensuite, comme la Nouvelle-Calédonie, comme l'Algérie, était une colonie qui avait été classée comme colonie de peuplement par l'État français. D'accord. Et donc, l'objectif, c'était de mettre des bannières sur la terre calédonienne pour en faire des agriculteurs, sachant que cette terre, elle a été prise au peuple autochtone, au Kanak, par Ah la oui, force. je comprends. Et donc, on sait qu'à partir de 1905, il est mis sur une propriété à Nessadiou. Nessadiou, c'est ce qu'on appelle en Calédonie la petite Afrique. C'est un endroit où énormément de Nord-Africains, particulièrement des Algériens, bagnards, ont été mis sur concession, c'est-à-dire ont été mis sur la terre pour devenir agriculteurs. Parfait. Et lui, il faisait partie de ces en Nouvelle-Calédonie, on a un terme générique qui est issu de la terminologie coloniale. On est tous des Arabes, au sens le plus large du terme. Ça choque toujours en Algérie, mais Malheureusement, alors que c'est voilà. et Voilà. sont dans ils sont dans leur rôle, c'est de camoufler l'identité ou de falsifier l'identité pour justement embrouiller les pistes identitaires. Ça, c'est connu. Alors qu'on sait, la majorité, probablement, c'est des Kabyles, hein, donc c'est des Berbères Absolument, qui sont partis. absolument. La famille Haïfa de Djéjel, votre famille de Kabylie, de Constantine aussi, il y a des Berbères. Vous étiez catalogué arabe, alors que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, pour pouvoir réussir la colonisation, les Français ont fait venir des femmes qui elles-mêmes étaient condamnées dans les prisons françaises, D'accord. se marier avec des bagnards en fin de peine. Ça n'a pas Dans été le cas, votre aïeul, non, Lounès. ça n'a pas été le cas de mon Ah, ancêtre, parfois, ok. parce qu'en fait, mon ancêtre, lui, il s'est marié avec une fille de bagnard. Ah, d'accord. Vous vous doutez bien que quand on est avec des filles de bagnard, en fait, il y a une différence d'âge qui est souvent très importante. Wow. Ce qui fait que mon arrière-grand-père devait avoir à peu près 45 ans quand il s'est marié, OK. quand il s'est mis en ménage, et mon arrière-grand-mère avait 15 ans. Wow. Voilà. Ils engendraient beaucoup d'enfants, dont votre Ils ont mère, votre engendré grand-mère. quatre enfants, Ouais. quatre enfants, et pour la petite histoire, tous ces enfants ont des noms algériens. Par exemple. C'est Mohamed, Saïd, Yasmina et Lounès. Lounès, pardon, Salah. Wow, ok. Et en fait, Yasmina, c'est votre grand-mère, c'est ça? Yasmina, voilà. En fait, j'ai découvert en allant en Algérie que ces noms n'avaient pas été choisis par mon ancêtre au hasard. C'était les noms de ses frères et de ses sœurs là-bas en Kabylie. Wow. Mohamed, Saïd, Yasmina, que Saleh. Voilà. Et pour la petite histoire, pour vous dire quelle était la pression coloniale, en fait, à l'époque, les gens devaient donner des noms en français. Et donc, quand ma grand-mère est née, mon arrière-grand-père est allé à la mairie et il a été accueilli par le préposé de la mairie qui lui a dit, alors, Lounès, il paraît que tu as eu une fille, elle s'appelle comment? Et il a dit, je veux l'appeler Yasmina. Sa Et sœur. le préposé, voilà, le préposé, il a dit, Lounès, ça, c'est pas possible. Tu peux pas donner le nom de Yasmina à ta fille. C'est pas un nom français. Tu vas lui, toute sa vie, elle va porter la marque de ton origine. Je refuse. Et donc, le vieux Kabyle, toujours très têtu, mais elle a dit, c'est pas grave, je reviendrai demain. OK. Et dans la famille, on raconte qu'il est venu 3 jours de suite. Et le troisième jour, le préposé, il lui a dit, écoute, Lounès, là, on ne va pas continuer comme ça ce petit jeu. Yasmina, ce n'est pas possible. Mais est-ce que si je mets Mina, tu acceptes? Et donc, le vieux Lounès, il a accepté que sa fille, elle ne s'appelle pas Yasmina, mais qu'elle s'appelle Mina.
Incroyable. Mais moi, il a fallu que je sois adulte pour comprendre que Mina, c'était Yasmina. Parce Waouh. que ma grand-mère, tout le monde l'a tout le temps appelée Mamie Minette. Waouh. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a transformé son nom pour qu'il y ait une sonorité française. Parce qu'elle a tellement souffert d'être une fille de bagnard et en même temps une fille de bicot. Les Algériens, ils savent bien le poids racial, le Ouais. racisme qu'il y a derrière le terme de On les bicot. appelait des becos, ouais. Ouais. Voilà. Et que, en fait, c'était trop dur pour elle de porter cet héritage. Et du coup, ben, comme il fallait qu'elle me disait toujours, moi, je veux être transparente, je ne veux pas qu'on me voie, moi, je suis comme tout le monde. Et donc, elle avait changé son nom. Et pour tout le monde, elle s'appelait Minette. Wow. C'est émouvant comme histoire, incroyable, incroyable. Vous voyez, j'imagine votre arrière-grand-père, Lounis, le pauvre, il voulait restituer sa famille, le déchirement. Il voulait retrouver indirectement ses frères et sœurs de par leur prénom. Et puis, il n'y a pas de mots, il C'est n'y a le pas de mots, processus Christophe. logique d'assimilation coloniale. Tout à fait, tout à fait. Vous avez dit que vous êtes retourné en Algérie. Racontez-nous votre aventure de retour en Algérie et vous avez retrouvé le village de Lounès, c'est-à-dire votre arrière-grand-père. Comment? Alors, en fait, le début de cette histoire, je suis allé à Aix-en-Provence, en France, où il y a les archives coloniales. Les archives coloniales françaises sont à Aix-en-Provence, et entre autres, les dossiers de tous les condamnés. Et là, j'ai découvert que mon ancêtre, il venait du village. Ça y est, ça va me revenir. Bon, pas Ok, grave, d'accord. je reviendrai tout à Un l'heure, mais village dans les environs d'Azazga. Vas-y. voilà. Je vous l'ai donné tout à l'heure, le village, en plus. Il n'y a pas de problème. Ok. J'ai cherché le nom de ce village sur les cartes que je pouvais trouver sur Internet, je ne l'ai jamais trouvé. Et D'accord. du coup, en l'an 2000, il y a un réalisateur et une réalisatrice algérienne, Saïd Holmi et Fatia Sy Youssef, qui sont venus en Nouvelle-Calédonie pour tourner une émission sur les descendants. Et cette émission a finalement été un film de 8 heures qui s'appelle Les Témoins de la mémoire. Et ce film a énormément marqué les Algériens parce que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de cette histoire. Et donc, quand ils sont venus, je leur ai donné le dossier de mon arrière-grand-père en disant est-ce que vous pouvez trouver le village? Le nom du village, c'est Agraledj. Ah, vous l'avez retrouvé Voilà. maintenant? Voilà. Agraledj. Et est-ce que vous pouvez voir à Agraledj, si vous trouvez le village, si il y a encore de la famille? Et donc, en 2005, en fait, le gouvernement algérien a invité quelques représentants de notre communauté de descendants d'Algériens en Nouvelle-Calédonie à venir visiter leur famille. Et donc, pour la première fois, je suis allé en Kabylie. Pour la première fois, j'ai été accueilli au village. Et de façon très, très étonnante, je me suis rendu compte à ce moment-là que mes ancêtres, sur plusieurs générations, en fait, m'avait transmis une mémoire des paysages. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le plateau de Kabylie, quand j'ai vu ces villages accrochés aux montagnes, c'est comme ça que j'imaginais mon pays. Oui. De même, quand j'ai commencé à monter vers le village d'Agraredj, j'ai vu des paysages que j'avais imaginé dans ma tête quand j'étais à Aix-en-Provence et que je lisais l'histoire de mon ancêtre résistant à la colonisation pour la première fois. Quand le dossier a expliqué qu'il s'était enfui de chez lui pour aller rejoindre
La bande à Areski. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous imaginez le paysage dans votre tête. Ah oui, Ben, moi, exactement. j'avais imaginé ces paysages d'une Kabylie que je ne connaissais pas. Et quand je suis monté au village, j'ai vu les paysages que je m'étais imaginés. Mais encore plus extraordinaire, quand je suis arrivé au village, certains des oncles kabyles, certains des cousins kabyles avaient le même visage que mes oncles à Nouméa. Un de mes cousins, il a le même visage que moi. C'est-à-dire que la force du sang sur 4 générations, elle s'était maintenue. Incroyable. Incroyable. Christophe, juste pour nos téléspectateurs, qu'ils sachent que Agrarège, en fait, c'est un village de la commune d'Arrarive, qui se trouve à Tizi Ouzou, effectivement entre Azazga et Azfoun, à peu près 22 km sud-ouest d'Azfoun et 7 km au nord d'Azazga. Donc actuellement, le village de Gréarès se décompose en deux. Il y a l'ancien village qui s'appelle Tadderte, qui veut dire village, et le nouveau village qui s'appelle Agouné Orzéfen. Donc voilà, le col long, si on peut traduire en français. C'est ça, c'est juste pour information. Donc vous, officiellement, vous êtes de Dagareb. Voilà, je voudrais raconter 2 petites histoires de cette visite. Avec plaisir, vas-y, continue. Voilà, la première, c'est que quand on a terminé l'accueil officiel, ma famille voulait me montrer l'endroit où mon ancêtre, la maison où mon ancêtre était né. D'accord. Une petite maison en pierre. Et donc, ils m'ont fait rentrer dans cette petite maison en pierre et puis ils ont refermé la porte et j'étais tout seul dans la maison. Maison en terre battue avec les tuiles sur le toit, toute petite maison. Et en fait, j'ai touché le sol de cette maison. Et quand j'ai touché le sol, je me suis dit, le cordon ombilical de mon ancêtre, il est enterré tout près. Je sens le cordon ombilical dans ma main, dans mes doigts. Ici, en Nouvelle-Calédonie, je sais où est enterré le cordon ombilical de chacun de mes enfants parce que, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, ils nous ont appris que c'était quelque chose d'important. Mais je Et ne vous savais pas que suivez. les Kabyles faisaient pareil. Et en fait, je portais sur mes épaules, durant tout le voyage en Kabylie, je portais sur mes épaules le poids de mon ancêtre. Il était là avec moi. Et au moment où j'ai touché le sol, à l'endroit où il est né, eh bien, il est parti de mes épaules. J'ai réouvert la porte. En face de moi, il y avait Taïeb Haïfa, qui est notre ancien à nous, notre grand responsable. Il m'a pris dans les bras, il m'a dit, mon Il est fils, tu as devenu changé de visage. Taïeb Aïfa, mère. Absolument, Vas-y. absolument. Et il m'a dit, fils, tu as changé de visage. Et je lui ai dit, papa, il est parti. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que ce geste a été un geste où finalement je fermais notre histoire. J'ai ramené l'exilé chez lui, symboliquement. C'est émouvant. Et à la fin de cette journée, en repartant vers Alger, en bas du village, j'ai été arrêté sur le bord de la route par une autre partie de ma famille qui m'a dit, Christophe, on t'a vu à la télévision. Et on sait que tu as donné le nom de la maman de Lounès, T'as ça dit? ta Sadit, à ta fille. Tu Waouh. vois sur cette colline là-haut, tu vois cet olivier, ce très vieux olivier, il a été planté par ta Sadit. Et moi, j'ai couru, couru comme un fou. Je suis allé vers l'arbre, j'ai serré l'arbre contre moi. Parce que d'un côté, j'avais ramené mon ancêtre chez lui, et de l'autre côté, il y avait cet arbre vivant qui me liait et qui en même temps liait mon arrière-arrière-grand-mère et ma fille. C'est incroyable. C'est émouvant, c'est émouvant, c'est incroyable. Et un morceau de cet olivier, il est là, juste à côté de moi. Si Je vous peux le voulez, je peux vous voir? le montrer. Vous pouvez me le montrer peut-être? Le voilà. Oui. C'est Voilà, ça incroyable. vient d'un olivier qui est là-bas à Agrarej. Ouais. C'est émouvant, vraiment, Christophe. Il n'y a pas de mots. Eh oui, c'est ça les déchirements, c'est ça l'histoire, malheureusement, on fait avec.
L'essentiel maintenant, vous avez retrouvé les origines, vous avez retrouvé le bonheur de connaître au moins le fin fond de ton histoire, de tes aïeux. Et maintenant, juste pour en guise de fin, donc si j'ai bien compris, donc vous êtes le petit-fils de Yasmina. Yasmina, et ensuite j'imagine c'est marié à Mais cette femme. avec un Italien, Un Italien. un fils d'Italien plutôt, Un fils faudrait d'Italien. dire, parce qu'il avait été naturalisé français, né en Nouvelle-Calédonie, Cubada, Ouais. et du côté de sa maman, il y avait plusieurs générations de Calédoniens déjà. Et donc, Yasmina avait été élevée sans religion. Lounès faisait toutes ses prières. Lounès, jusqu'à la fin de sa vie, a été un musulman Un pratiquant. musulman pratiquant, mais Yasmina, ce n'était pas le cas, c'est ça? Mais la grande majorité des enfants d'Algériens n'ont pas été élevés dans la religion. D'accord. Et donc, ma maman, elle, a été élevée, du coup, dans la religion catholique. D'accord. Et moi aussi. Mais depuis que j'ai refait le lien, la grande chance qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie, c'est que notre société est tellement métissée, il y a tellement de cultures différentes ici en Nouvelle-Calédonie à cause du processus colonial, OK. qui fait que, il y a des Kanaks OK. océaniens, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des gens d'origine algérienne. Il y a des Asiatiques, il y a des gens, des Polynésiens. Et donc, tout ça s'est mélangé avec différentes communautés. Et donc, la chance qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a le droit d'être, en même temps de plusieurs cultures. Et moi, D'accord. j'ai la fierté de pouvoir en même temps être un catholique et en même temps faire le ramadan tous les ans, quand je peux, OK. pour honorer mon ancêtre Ouais. et pour revendiquer que je veux être de différentes origines et pouvoir pratiquer ces différentes origines sans qu'on me dise tu dois être ou ça ou ça. Je veux être l'un et l'autre et Donc, non c'est pas l'un personnel. Il faut que ce ou soit, ça vient l'autre. de vous-même. Ça vient de vous-même. Et ça vient, il y a beaucoup de Calédoniens qui sont aujourd'hui comme ça. Il y a D'accord. beaucoup de Calédoniens qui ont tellement d'origines culturelles différentes qu'en fait, leur revendication, c'est de pouvoir associer ces origines au lieu de devoir faire un choix. D'accord. Super. C'est ça. C'est ça le. C'est ce que devrait être nos sociétés. C'est-à-dire reconnaître la diversité. Et le respect mutuel entre toutes les croyances, c'est ça ce que devrait être normalement toutes les sociétés du monde pour qu'elles puissent avancer en avant. Mais ma dernière remarque, Christophe, de par votre nom de famille Sand, j'essaie de retracer à peu près. Donc, Yasmina, Mina, c'est avec une Italienne, a donné des enfants. Est-ce que vous êtes le fils d'un de ses fils ou d'une de ses filles? Non, c'est ma maman. C'est ma D'accord. maman, Thérèse, qui s'est mariée avec un Français, Sand, et qui Voilà. du coup, ça explique que moi, je suis de la branche des mamans, la branche maternelle, et donc je ne porte pas le nom de Lounès. Cyril, Voilà. Ben en voilà. fait, on porte tous le nom Lounès parce que Cyrir, on l'a découvert dans les archives récemment. Mais pour vous donner une idée, moi j'ai des tantes qui s'appellent et des oncles qui s'appellent Lounès. J'ai des cousins et des cousines qui s'appellent Lounès. Mais la plus jeune génération avec encore le nom Lounès, en fait, c'est la génération des enfants de Salah, du petit frère de ma grand-mère. Et Salah, il s'est marié avec une Polynésienne, une fille, une femme de Polynésie. Et donc, ses enfants Lounès, en fait, quand vous les voyez, ils sont un mélange entre des Kabyles et des Polynésiens. Wow. Et OK. leur nom, c'est Lounès. OK.
Christophe, on va voir le cinéaste Tahar Houchi. Il est parti en Palestine. Il a retrouvé à peu près les déportés, les transportés. On peut les appeler comme on veut. Il a trouvé quand même des arrière-petits-fils, comme un certain Salah de Palestine, qui parlait encore le kabyle. أكون جرتوها دوليم أفروي نغاني من قال بون دانونس نسيرون يخدم طاهر حوشي ونيكس الحين تفسكر في غلانت نسيرون نسمر جنيف نا فيستيفال ناسيونال دو فيلم أوريونتال دو جنيف دي زوج ألاف وستاش يخدمو نسيرو سوزا اللي اسمو يسمى صالح أقبيلين فلسطين ثان غوون. الزول في لقامي صلاح عم كيف تسير ذا فلسطيني ذا جزائري ذا قبايلي يلول ذي الديشوم يوثن تدار ثن القبايل ذي فلسطين يتمسلي ثا قبايليث غسكن لجذوذيس جان ثمور ثن سن ثمور ثن القبايل وغارن 130 سقوا سنية ثا ديانتيس أكو ذا تسين الجيرانيس ثعبان وغارن القرن ذو وزقن نترولا ذو هاني ذو منو ثاذي ينتقي تسكان دذيغن ثواغيف يو ميران ثاذولي أكن ولا شوين راتي سينا اسمي وكيني الصالح أحمد بن سعد الدريس العمري وليد 1945 ديشوم قضاء صفان الأصل ان جدي باب اسم بابا سي الجزائر اسارو ياكي تجميل تاع عمي صالح ذو ذي لا نوكا من التا اسارو ياكي ذينيجي غفو غرن القرن غف الفطل غف ثير روكزان القبايل تطفى نسن ذي تجديف اكذا تللي لكن إلا مش نعمي ذينا يعني خويا اسم بابا يعني ذينا يبين الجنسية وذينا عثمان المولود اللي جا غير مولا هذا زين فلسطيني حاليا بس هيك يعني باقي لقب نكني فافا لك ذيما لان حرصن ذو خام انه تنسلينا راهي ضغنا تعرف كنا نفقى نسن ولا جيني العاين نسن تدس ده الزيري ده قبيلي شي فداك يا سميس عطوش Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce qu'il y a des gens qui restent encore parler le kabyle? Alors, tous les vieux se souviennent des anciens qui parlaient kabyle ou arabe. D'accord. Ma maman se souvient très bien d'avoir été bercée pendant des années et des années par l'ounès le soir avec des chants kabyles. Mais la langue... Ça s'appelle une langue maternelle. On ne dit jamais la langue paternelle, on dit la langue maternelle. Or, l'administration coloniale française, elle a interdit aux femmes des Algériens de pouvoir venir ici en Nouvelle-Calédonie pour retrouver leur mari, alors qu'elle permettait aux condamnés français de faire venir leur famille. Ce qui veut dire que dès la première génération, tous ces condamnés algériens, ils ont été obligés de se marier avec des femmes qui n'étaient pas de langue amazigh ou qui n'étaient pas de langue arabe. Et donc, dès la première génération, la langue et une partie des coutumes se sont perdues. Il y avait encore, il y a quelques années, un fils de transporté qui parlait encore arabe. C'était le dernier. Mais aujourd'hui, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants demandent à apprendre la langue. Donc peut-être dans 10-15 ans, vous aurez un certain nombre de descendants qui se seront réappropriés la langue en l'apprenant à l'école.
ou par Internet. Mais vous savez que la langue mazighe ou kabyle, elle est enseignée maintenant. Il n'y a pas que la langue arabe. Donc, il faut maintenant, avec tous les moyens qui existent technologiques, d'ailleurs, TQ5, et on vous remercie, on viendra peut-être faire un reportage à Nouméa et ailleurs où se trouvent un peu les arrière-petits-enfants de la communauté kabyle et amazigh de façon générale pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Et On pour vous en accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Et est-ce que vous suivez un peu l'actualité? Est-ce que vous suivez la langue? Est-ce que vous connaissez, par exemple, des chanteurs kabyles? Ben, pendant longtemps, on a cru que Matoub Lounès, c'était notre famille, parce que c'était Lounès aussi. Et Oui, donc, c'est vrai. voilà, de temps en temps, on écoute. C'est vrai que la première fois que je suis allé en Algérie, j'ai ramené plein de CD. J'avais appris un certain nombre de mots pour pouvoir communiquer. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, ma vie a été un petit peu compliquée et mon cerveau s'est étiolé Ouais. là-dessus. Voilà, la dernière fois que je suis allé en Algérie, c'était maintenant il y a 10 ans. Et donc, il me tarde de pouvoir retourner voir la famille. Voilà, peut-être que votre émission va me donner l'élan pour pouvoir faire un voyage en Kabylie. Vous savez, c'est loin, c'est Ouais. de l'autre côté de la planète. Tout à Et fait. donc, voilà. C'est pas des voyages qui se font facilement. Voilà. Voilà. Donc, Slamet de Christophe Sand, de Miss Miss Nielis, ne Luna, Serre de Sand, c'est Agranage, Agranage, de Gourave, مازال نوي سامسلا يتمنى روح غدينا غوصن وهذا بدي روح غدا كير نوي امسلا وكار فلاس و ذوين نك ذي قبيليين نغو اغو نغو قبيليين كتيرين ذي فغا نتمور دونك كريستوف جو لاس دير بوتيتر فوتر مو دو لا فان Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'interviewer et puis de vous intéresser à notre histoire dans cette partie très éloignée de la planète. Mais sachez que voilà, on pense très souvent à vous, on pense très souvent à l'Algérie, on pense très souvent à nos familles qui sont là-haut dans les montagnes ou aux portes du désert. Et que nous, on ne les oublie pas et on espère qu'ils ne nous oublient pas non plus. Voilà. مدخل وين تكون سيدي قيم لنا ودينار إسان مليدود ما وني ظن ديسن تاني ظن أو دينار كما في ثلويث